Bonsoir à tous, ou plutôt devrais-je dire bonjour en ce début d'après-midi. Je vais baisser un peu le son. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci au niveau du son? Merde, attendez. Allô, 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 allô. Baisser le son. Ça doit être pour moi que le son est aussi bas. Attends. Je dois mixer. Que je peux pas changer le gain, moi. Comment est-ce qu'on fait déjà? Noise gate. Réducteur de bruit. Oui, ok. Option avancée. Le gain est au max. Le délai d'activation aux F. Est-ce qu'on m'entend bien là? J'ai l'impression qu'on m'entend mal. Allô, 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 allô. Est-ce que c'est juste moi? Pas où est ma table de mixage ici? Alors le son du système, je le baisse, genre là. Le son, ça a l'air d'aller comme ça. J'espère qu'on m'entend bien. C'est tout ce que j'espère. Au pire, tant pis. Bonjour. Oui, il y a un faux, il y a du jour et ça me tombe en plein dans la gueule. C'est terrible. Mais on va devoir faire avec. Alors, je vais couper la musique et je vais lancer le jeu. Alors oui, hier j'ai pas streamé, j'avais un peu la flemme. Et j'étais en train de j'ai fini hier l'aventure principale de Xenoblade Chronicles, définitive édition sur Switch, et bah, l'histoire est géniale. Vraiment, l'histoire est trop bien. Mais faut s'investir dans le jeu, quoi. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et j'avais pas la tête à faire autre chose, donc j'ai juste fait ça. Alors. Non, le son est fort pour moi maintenant. Attendez. Est-ce que, genre, si je parle comme ça, on m'entend bien? Il n'y a que pour moi que ça dérange en fait, c'est de la merde. Parce que genre sur la table de mixage, ça a l'air d'aller. Peut-être éventuellement baisser encore un peu la musique. Enfin, le son du jeu. Je le baisse un petit peu encore. Moi, je vais le monter. Comme ça, bon, tant qu'à faire, au moins on m'entendra bien. Le jeu, bon bah du coup, hop. Et normalement, il n'y a plus de soucis, on m'entend bien. Ça a l'air d'être ça. Alors, je vais juste couper mon retour audio parce que c'est de la merde. Et on va continuer l'histoire. Alors, de mémoire, nous étions en train de nous balader. Avec un chevalier errant qui avait perdu son royaume suite d'une trahison. Et je sais plus du tout comment il s'appelle. Alors attendez, il s'appelle Holberic. Voilà, il s'appelle Holberic. Et nous allons donc... On ferait mieux de se préparer avant. Pourquoi il me sort ça, l'autre?
Laisse-moi tranquille, je suis prêt, moi. Gros, c'est une zone de niveau 7, qu'est-ce que tu veux que je craigne ici? Donc nous allons continuer notre histoire avec nos petits personnages qui ont tous des buts, des objectifs à atteindre, divers et variés. Il y a un coffre en dessous. Et donc là, on va faire l'histoire d'Olberic et on va voir où ça va nous mener. Toujours les combats au tour par tour avec un système de break. Toujours très sympathique. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. On va tenter de finir le gros tatou. Et le faucon. Mais on va y aller à la lance ici. Et ça marche. Donc briser. Et normalement, ça va suffire. Parfait. Donc j'ai pas mal de problèmes de son en ce moment. Je sais pas pourquoi mon micro il bug. Du coup, je suis obligé de rafistoler le son à chaque fois que je fais un live ou que j'enregistre un truc. Alors, je suis désolé sur la dernière VOD, le son est très bas, du coup si on veut entendre quelque chose, faut monter très haut le son du système. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est pas d'un coup, hop, le micro il s'est dit, ah non, 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 je recorde qu'en très bas. Oula, j'ai augmenté le volume à fond, le gain au max, enfin, on verra si ça passe comme ça. Vous me direz si ça passe. Non. Peut-être un coup de gros coup de hache? Non. Bon, au moins un rat débarrassé, c'est toujours ça. Oh, mais j'ai du soleil, c'est terrible. Je vais mettre mes lunettes. C'est bien mieux ainsi. On va le break. Ah, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir. Peut-être l'épée? Oui, l'épée. D'accord. Il est bientôt. Bon, il était mort, lui. C'est parfait. Peut-être qu'il craint les dagues? Oui, il craint les dagues. On va tenter la lance. Oui, oh là là, le génie. Juste dans le doute, je vais mettre un chat à côté. On sait jamais. Comme on dit, on ne sait jamais. Allez, on va continuer l'aventure, on a fait le tour. Peut-être quelque chose là-bas. Ah non, on est déjà passé. Oh là là, attends, c'est la 3D qui. Cette impression, ouais, c'est juste la 3D qui me donne l'impression, ok. Des un tatou et deux gros rats. Alors, le tatou, il dégage. Lui, avec son aptitude, il va pouvoir break tout le monde. Trop bien d'avoir des AOE, franchement.
Appel de bête. Et ça dégage. Peut-être on va tenter. Nickel. Albéric a 3. Attends, je sais pas, 40 PA, je crois qu'il va pouvoir. Je crois que je vais pouvoir lui apprendre une compétence. Enfin, une aptitude plutôt. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Fer de lance, attaque un ennemi à la lance, le personnage aura l'initiative au prochain tour. Incitation, le personnage attire les attaques à la cible, à cible unique visant ses alliés. Frappe croisée, lance une puissante attaque à l'épée sur un ennemi. Rempart, la force physique du personnage est renforcée pendant 3 tours. Volée de lance, attaque des ennemis aléatoires de 5 à 10 fois à la lance. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Il est trop faible encore pour voir tank. Je vais prendre un gros truc, un truc de gros bourrin, ça dégage passe. Bon, je vais faire ça. Ouais. Et on va grimper maintenant. Quelque chose de ce côté-là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Oui. Pierre de lumière. Nouvel élément. Enfin, nouvel élément, non. Pas vraiment, mais. Pierre qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il a? Thérapie, infection, glaçon, il attaque une personne à la fois, ouais. Aptitude dans. Il n'a pas une bête qui permet d'attaquer tout le monde au hasard, je sais pas. Non, c'est une seule personne. Ah. Aptitude guerrier. On va y aller à la flèche. Il dégage. Ça dégage. Olberic a encore de la vie, c'est parfait. On break pour être tranquille. Ils font pas mal, c'est les monstres hein, sur dans cette zone. Après, en même temps, niveau 7, moi je suis combien? 13? Ouais. Ça aurait quand même été terrible si des niveaux 7 arrivaient à me mettre dans le mal. Petit pont suspendu des familles. Il craint quoi ce truc? Ah, flèche. Il n'y a pas des trucs un peu cool. On va tenter ça. Non, craint pas le feu, c'est dommage. Un de moins. On va tenter ça.
Enfin, pas l'épée non plus. La lance peut-être. Peut-être la lance. À voir, mais il y a des chances. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Pom, 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 pom. Vieille pièce. Oh mais non là. Mon Dieu. On break. On break. On tue. On break. Comme ça, prochain tour, nos dégâts pris. Et on va pouvoir mettre des grosses tatanes. Comment ça, franchement, mis à part les boss, comment ça franchement atteindre des, avoir des facilités au niveau des combats? Baston. Ok. Bah, on va passer sur l'épée hein, et on va taper. Aptitude guerrier, tout le monde est break. Parfait. Pose l'autre truc qu'ils craignent, c'est la lance. Mais bon. Aptitude chasseur, peut-être. Attends, il a plus de flèches. Oh, la vache. Là, quand ça rate pas, ça fait des dégâts. Quand ça rate pas. Aptitude vol, peut-être un truc intéressant. Raisin curatif, un petit coup en passant. Même pas. Décevant. Allons sauver le petit Billy. Non, je sais pas, il s'appelle Philippe, je crois. Philippe, je sais où tu te caches. Qu'est-ce qu'il y a par là? Hein? Coffre. Nickel. Nous aimons les coffres. Pierre de feu. Peut-être que le boss craint l'attaque de feu, du coup. Ou peut-être qu'il y a des monstres ici qui craignent les attaques de feu. On tente des trucs, hein. Écoutez. Nice. C'est évident qu'il y aurait des faiblesses à ça. Aptitude de chasseur. Fruit de flèche. Et B. Ça n'a pas touché énormément. Hein. Va faire des gros coups de latte. Craint les haches. Important à savoir. Hop.
Merde, je voulais attaquer le truc là-bas. Attends, j'ai de la magie. Aptitude, glaçon. Peut-être ça break. Nickel. Attends, essayer de prendre le moins de coups possible pendant le combat. Parce que franchement, les boss, ils sont quand même bien relevés. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Je vois un coffre. Comment on grimpe? Celle-là. Franchement, ils ont bien géré les décors. On a vraiment l'impression que c'est un repaire de méchants. Enfin, de voleurs, de brigands. Franchement, ouais. Bien, bien décoré. Un poso parce que des fois il y a des jeux qui ont des maps très vides, c'est un peu dommage quand même. Craint pas la hache non plus, mon Dieu. Il craint quoi au juste? La lance? Oui, lance. Bon, on va devoir vite lui niquer la gueule. Ça va devenir Tandax autrement. Break. On est tranquille. Et il dégage. Un petit vol. 70% de chance seulement. Assez affaibli et ça va pas tarder. Deux cents, nickel. Holberic niveau 7. On va grimper par là et un marchand, toujours un marchand ici. Que je suis bien niveau vie, oui, je suis bien niveau vie, enfin, niveau objet de récup vie. On va avancer par là. Le petit Philippe.
Et c'est parti. Oh, il a un look de viking très stylé. On tente la petite hache. Non. La dague, ça marche. Aptitude. Les deux autres sont faibles à ça, nickel. Il fait très mal, le boss. Je vais l'empoisonner direct. Aptitude réduit la def. M'en doutais bien fait contre ce truc. Aptitude chasseur. Pas faible contre les flèches. Ok. Peut-être la glace? Oui, la glace. Ok, d'accord. On va break Gaston. Appel de bête. Je vais appeler le ver de sable. Parce qu'il a une énorme attaque. 1000 quoi, la vache. Fait en effet hyper mal. Je vais rappeler encore ma bête. Ah bah, quitte à l'utiliser, là il va servir. Et quelques, on va devoir ce heal. Ouais, là. Là, ça commence à devenir inquiétant. Est-ce que les brigands aussi, je dois les taper? Ah, peut-être si je nique juste Gaston, ça suffira. Préparation, alors. Brume curative. Ça douille. Hein. Heureusement que j'ai des gens qui ont quand même des bonnes stats en défense. Voilà, infection. Peut-être je peux lui voler un petit truc en passant. Grappe de raisin. Ah, la grappe de raisin, je crois que ça permet de heal en HOE. Connaissance des bêtes, évidemment, c'est un domptable ce genre de merde. Crains pas le vent. Ok. Peut-être voir. Peut-être le feu. Ah, les ennemis craignent le feu. Enfin, ces mobs craignent le feu, mais pas lui.
Écoute, on va spammer. On va devoir se soigner après, là. Ça commence à devenir compliqué, autrement, Michel. Objet. Raisin curatif. En DPU à tous les alliés. Ah, il est mort. Il est mort du poison. Quand même une mort nulle. On va tenter la hache. Ça marche. Ok, craigne les coups de hache. Un de moins. Et le verre qui m'a sauvé la game. Et qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais tellement galéré si j'avais pas eu ce putain de verre que j'ai galéré à capturer la dernière fois. Aptitude voleur, embrasement. 94. Allez, hop, ça dégage. Holberic level up, c'est nickel, hache à une main. Oh, je gagne une hache en plus. T'es un mercenaire maintenant, Erhard. Donc est-ce qu'il était mercenaire avant de rejoindre les chevaliers ou il était déjà mercenaire avant? Et du coup il est parti en infiltration. Je pense qu'il a rejoint après. Parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça sur combien de temps s'est déroulé entre la chute de l'Empire du Royaume et puis maintenant. J'ai trop de sang sur les mains, qui vit par l'épée, meurt par l'épée. Il va falloir assumer ses actes. Il y a quand même de l'honneur, hein. Mercenaire avec de l'honneur. Enfin, brigand. Mais. Un vrai brigand. Connais quelqu'un? Ah, bah. On va donc partir chercher. Erhard, le chevalier noir, 20 perchis. Alberic Heisenberg, tout le monde le connaît. La lame inflexible.
tout le monde est Shikisho. Donc il doit peser un peu dans le milieu. Et maintenant qu'on connaît son identité, et que bon, c'est bien sympa de d'essayer d'apprendre à manier l'épée des gens, mais c'est quand même plus sympa de partir en à l'aventure chercher le traître qui a trahi le royaume. Eh bien, c'est parti. Lui qui disait qu'il était en train de chercher un sens à sa vie, mais il l'a retrouvé. Vin perchi. Où est-ce que ça peut bien être vin perchi? Peut-être vers le nord de la carte, peut-être? Partez vers l'est en sortant du village. Attends, je vois alors. Je vois alors un point d'exclamation ici. Mais je sais pas comment y accéder. Terrible. Peut-être en maravant le lieu. Je ne sais pas, je vois un point d'exclamation depuis un moment et je ne sais pas comment accéder à ce truc. On va devoir tester. Alors, est-ce que si je gère que le vieux, je peux rentrer dans la maison? Ce serait logique, mais bon. Oui. Eh bien, un objet du coup. Javelot de guerre. Oh! Bon, désolé d'avoir maravé le vieux, mais ça valait le coup. C'était pour la bonne cause. Et je gagne en attaque, c'est génial. Hop! Attends, est-ce que j'ai pas genre un petit truc à l'équiper ici? Une rondache. Chapeau de cuir, non. Gilet de bronze, oui. On rajoute de la précision tant qu'à faire. Hache de fer, c'est moins fort. Hache à une main aussi. Toujours pas d'arc, hein. C'est terrible. Toujours pas d'arc après avoir exploré autant. Ah, attends. Amputation, tonification, en vrai tonification, pas vraiment besoin pour le moment. J'ai énormément d'outils de revive. Imbattable, attaque tous les ennemis à la hache, plus les PV de l'attaquant sont bas, plus il inflige de dégâts, c'est sympathique. Amputation, inflige d'importants dégâts à la hache à un ennemi. Alors on va peut-être partir sur l'amputation. Ah, quoique, en vrai, c'est utile, imbattable pour finish les ennemis. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. On va l'équiper de son nouveau truc. Augmente les PV maximum de 500! Waouh! Incroyable. Pour le coup, dommage qu'on puisse pas se transférer les compétences parce que sans deck, ça aurait été génial. Si on pouvait faire ça. Talent, défier niveau 8. Ah oui, c'est vrai que le niveau du talent dépend de ton niveau de base. Par exemple, il a quoi lui? Ce jeune homme s'est enrôlé à la garde avec son ami d'enfance. Ah oui, c'est le garde, d'accord. Une petite ristourne à l'auberge, toujours zizir. Peut voler des trucs. Casque de fer ou un bouclier solide. Ok, bof. Non, non, c'est bon. Non, non, je voulais pas en fait. Est-ce qu'il y a éventuellement de l'équipement pour WAM? Non, un couteau occulte, ça augmente bien les dégâts. En vrai, je vais mettre. Je vais l'équiper maintenant même.
acheter un bon casque pour Anit. Et aussi pour Olberic, voilà. Armure, gilet argenté 4000. Oh lolo, mec. Moi j'ai pas de sous, moi. Non. Je suis quelqu'un de pauvre. On dit au revoir au village. Tous les habitants sont un peu tristes de le voir partir, mais bon. Vous pouvez pas genre enrôler les brigands pour défendre le village plus efficacement au lieu de faire ça? Tant qu'à faire, parce que bon, en vrai, les brigands, ils volent parce qu'ils n'ont pas de lieu de vie et ils ont besoin de survivre. Donc, si tu les laisses habiter le village en échange de leur protection, ça passe. Non? Je raconte des conneries? Ouais, c'est comme ça que j'aurais fait. Vu qu'on a bien vu qu'à deux, deux gardes, c'est peut-être un peu léger. Après, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, il y a quoi? Il y a 5, 6 maisons. Promesse de chevalier. C'est ainsi que le chevalier Olberic entama un nouveau voyage. Il entendait retrouver Erhard, son ancien frère d'armes, et lui demander des comptes. Peut-être découvrait-il également ce qu'il avait perdu, la raison pour laquelle il brandissait son épée. Que lui réservait le destin? Seul le temps détenait la réponse. Ouh. Alors, explorons du coup un peu une détermination renouvelée. Ho ho. Alors attends, maintenant il faut que je passe par où moi? Ouais, il faudrait que j'aille par là. Et comment je monte par là moi? Peut-être si. Et non, par là il n'y a rien. Moi, je vais devoir sortir par le haut du village, je pense. Je vais me soigner à l'auberge aussi, tant qu'à faire. Je vais dormir. Comme ça, tout le monde est à nouveau en pleine forme. Et attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeune homme mélancolique. J'ai venu dans ce village à la recherche de ma chère Laurie, mais on m'a dit qu'elle n'était pas déjà partie. Histoire, le souvenir éternel commençait. Oh. Alors attends, je vois des trucs là-bas. Je suis une historienne sur les tiges du légende, la piste du légendaire Beowulf le Grand. Vous avez certainement entendu parler de lui, tout le monde sait qu'il a fondé le royaume Cornebourg. Certains de mes collègues, dont je tairai le nom pour leur bien, se moquent de mon travail. Ils prétendent que le roi Beowulf n'est qu'un mythe, mais je trouve, non, je sais qu'ils se trompent. C'est ce qui m'a amené ici, voyez-vous. J'espère découvrir le monument érigé en l'honneur du grand roi afin de trouver qu'il a bel et bien existé. Peut-être pourriez-vous m'aider si jamais vous tombez sur un piédestal ancien, une sculpture de granit ou tout autre édifice d'ascensement. Prévenez-moi au plus vite. Et B. Là, j'ai débloqué masse de quêtes. Et qui c'est, vous, monsieur? Un de mes compères vient d'entrer d'un long voyage en mer et m'a apporté un sac de graines comme j'en avais jamais vu. Ce serait du gâchis de ne pas les planter. Je crois que je vais défricher une partie des bois pour me faire un nouveau camp. Mais il faudrait du fumier pour préparer le sol. Vous n'allez pas m'en chercher des fois? Ouais. Enfin, si on peut.
Nouvelle information sur le dragon des hautes terres. D'accord. Cette jeune femme d'extraction modeste a quitté sa famille pour venir à Pafton aider un ami. Gnagnagnagnagnagnagnagnagna. Ok. Un objet caché apparemment. Bon. Ah oui, il l'a. Bouger. Voilà. Un arc. Oh, enfin un arc. Ça fait 1000 ans que j'essaye de trouver un arc. Alors ici, je peux faire quoi? Ici, modifier le groupe, améliorer la situation, modifier le groupe. Ah, c'est le personnage principal carrément, je ne peux pas le poursuivre le voyage. D'accord. Attends, et est-ce que ça marche, genre, où est-ce qu'il y a des sous-quêtes? Ce serait bien, ça, en vrai. Donc là, c'est là où je suis. Le col de montagne. Ravin de Pafton Sud. Et Pafton. Attends, donc c'est bien par en passant par là que je peux continuer ma route. Je sais plus. Attendez. Oh. Col de montagne. Col de montagne, genre c'est un fossé, genre il n'y a rien dedans. Ah oui, il n'y a que dalle. Ok, je pensais que c'était par là qu'il fallait continuer, mais. Il est du malware. Du coup, il faut que je trouve du fumier, des trucs comme ça. Ok. Bon, bah, si je trouve sur le chemin, on verra. C'est par là la suite du voyage. Et d'abord, une coupure pub. Ça fait du bien d'avoir max de vie. Un rat en moins. Que le faucon, il vaut le coup. Quatre de puissance. Est-ce que genre le capturer? Je crois qu'il faut que je relâche une bête, non? Non, c'est bon. Je pensais qu'il fallait. Et c'est parti pour le ravin de Paveton Nord. Peut descendre par là? Non. Il y a un chemin là. Oui. Et là. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc qui descend. Bon, il n'y a rien qui craint la hache, mais c'est pas grave. On break, on break, on break.
Ça dégage. Il y a quoi par là? Il y a un coffre avec une noix magique. Ah, qu'est-ce que c'est qu'une noix magique? Inventaire. Donc, noix magique. Augmente l'attaque élémentaire. D'accord. Ma foi, c'est toujours utile. J'aurais dû attaquer l'autre rat. C'est ballot. Peut-être voler un petit truc. Un petit raisin, ça fait toujours zizir. Terrion, level up. Peut-être falloir commencer à rencontrer des monstres un peu plus costauds pour level up plus vite là. Y a quoi? Ravin, ouais. Grue des rocs, rat de remous. Et moi, c'est vers rat de remous que je vais aller pour l'instant. Grue des rocs, ce serait là, je pense. Ouais, c'est ça. Guet des rocs, pardon. Ici, il y a quoi ici? Il faut 24 commander. Le havre d'or. Mais la carte est hyper grande. Ouais, on va aller jusque là-haut. Wow. Allez, on va prendre notre temps. Alors pour l'instant, on va aller là. On va aller sur l'eau, au littoral. On va aller voir un petit peu la mer. Et après, on va remonter. Là, là. Puis après, je pense qu'on va aller là. Puis on va continuer vers le haut. Voir ce qu'il y a. Du coup, c'est par où qu'il faut que j'aille? Guet des rocs. C'est par là, du coup. Danger de niveau 17. Ho. Donc je suis un petit peu bas level, hein. Là, par exemple, c'est quoi ici? Temple de la lame foudroyante. Je sais pas c'est quoi. Ah, c'est genre un lieu comme ça. Trop bien. Qu'est-ce que c'est? Une voix résonne dans votre tête. Bienvenue. Je suis Brand, la lame foudroyante. À vous qui avez bravé le danger pour arriver jusqu'ici, je transmets le savoir des cieux. Oh. Un power-up? Un nouvel objet? Qu'est-ce qui c'est? De débloquer la classe secondaire guerrier. Ah, stylé! Vous pouvez désormais sélectionner une classe secondaire dans le menu principal. Oh! Classe! C'est autre chose. Vous voilà de retour, là je n'ai plus rien à vous enseigner. Pas grave, merci beaucoup. La stratégie de combat vous laisse aux classes secondaires. La classe secondaire fait bien plus que vous donner accès à de nouvelles armes et aptitudes. Vous pouvez changer de classe secondaire librement, mais chaque classe secondaire ne peut être utilisée que par un seul personnage à la fois. D'accord, ok.
Temple, elle, c'est quoi sa classe secondaire? Je pense que c'est genre un truc que je débloque plus tard, je pense. Ah, guerrier aussi. Oh, ça peut être guerrier ou chasseur du coup. Ou lui peut être guerrier. Ou c'est soit lui est guerrier. Mais du coup, il est plus voleur. Soit. Non, lui, non. Lui, il est déjà guerrier, donc il n'y a pas besoin de changer. Par exemple, elle peut devenir guerrier. Genre, la classe principale et du coup, classe secondaire guerrier. Ok. Je commence à comprendre. Nickel. C'est. Oh, c'est bien, dis donc. À pouvoir apprendre des trucs ici. Par exemple, rempart, c'est bien rempart. Bah, on peut aussi apprendre frappe croisée. Et on est déjà pas mal, ouais. La couverture, le personnage absorbera les dégâts, la cible unique visant ses alliés en danger de mort. Ah, cool ça. D'accord. Oh, stylé le temple. Je savais pas qu'il y avait des trucs, petits trucs comme ça qui se baladaient. Donc ça veut dire il y a genre, il doit y avoir plein de temples qui se baladent, hein, qui sont un peu répartis partout dans la zone, et du coup ça doit permettre de débloquer de nouvelles classes. C'est hyper cool. Ah, tu m'étonnes que ça élargit les possibilités. Bon, là, je suis où, moi? Je suis là. Qu'est-ce que je fous là? Moi, je vais aller là. Je vais aller au ras de remous. Merde, je suis descendu au mauvais endroit. Non, c'est pas grave. Au moins, ça valait le coup. Coup. Guet de roc. Bonne source, cité éternelle, ouais, mais attends. Que moi, en fait, je veux grimper, moi. Moi, je veux pas faire tout ça. Enfin, je vais faire ça un moment, mais plus tard. Là, je veux, pour l'instant, je veux rejoindre d'autres trucs. Ravin, Guet des Rocs, Ras de Remous. Ras de Remous, c'est par là, du coup, hein. Je check, double check. Ok, bon, c'est par là qu'il faut aller. D'accord. Bon, c'est pas grave. Au moins, le détour aura permis de débloquer une nouvelle classe. Et ça fait toujours zizir de débloquer plus d'éléments de gameplay. Mais elle n'a pas d'épée. Je viens d'y penser, mais j'ai pas équipé d'épée, moi, ma Anit. Du coup, elle peut pas utiliser ses attaques de classes différentes. Pas grave, pas grave, pas grave. Pas comme si ça enlevait ses autres objets, donc easy. C'est une classe secondaire, quoi, donc c'est pas grave. Ouh, il a dégagé. Peut-être un petit vol, passage comme ça. Une essence de raisin. Un bien tac? Non. Pas tout avoir. 240. Eh, mais. C'est vrai qu'avoir une classe secondaire, ça rajoute vraiment énormément d'attaques. Holberic monte. Franchement, chasseur. Chasseur guerrier, c'est plutôt cohérent au niveau des classes. Côté S de Radremou. Ok. Ben c'est parti.
Commencer par le coffre, toujours, toujours prendre les coffres. C'est la règle d'or. Si tu veux pas devoir faire 5000 achats au commerçant du coin, les coffres, les coffres, les coffres, les coffres. Oh, plein de bestioles que je connais pas. C'est nickel, vraiment. Faire une pluie de flèches, on va voir. Ouais, le nombre de touchés est ridicule. Non. Ouh, il me fait peur, lui. Il augmente ses critiques, là. Tout le monde est faible. Ah, c'est parfait. Peut-être un bon coup de hache. Non. Ouais, switch sur l'épée, hein. Ouais, je pensais plus fort quand même. On va check s'il y a des captures intéressantes. 4. 4, ouais, et lui, 2. Oh bah non. Ah, peut-être capturer un. Hein. Alors, le qui je vire du coup? Là, j'ai deux faucons. Je vais virer le croc. Peut-être petite faiblesse à la glace qui traîne. Non, dommage. Combien de temps que je stream? Je sais même pas. 14h il est. Ça fait une petite heure que je stream. Je sais pas si c'est efficace. Voilà. L'épée longue est quand même un peu plus stylée. La lance, on lui donne une vraie lance, tant qu'à faire. J'irai acheter des équipements après si il y a vraiment besoin, mais je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin. Ici, il y a quoi par là? Ravin. Ah, c'est mais. C'est de là que je viens, putain. Même pas fait gaffe. Je pensais que je venais de la gauche. Vous avez pris l'ennemi par surprise, bah c'est nickel. Non, toujours pas. Non. Ah, il y a un mort. On peut descendre. Non, on peut pas descendre. Très sympa comme petit passage. L'eau est modélisée, on va dire. Ouais, ça va, ça fait quand même un peu haut. C'est pas violent. On peut aller sur la plage. Petite bronzette sur la plage, comme ça, tranquille. Ils sont tous faibles. Oh, ça va être un plaisir.
Bonjour. Peut-être tenter ça? Non, pas faible à ça, hein. Électrocution. Ah, attends. Est-ce qu'il est intéressant? Que de 3. Oh. Terrible. Hop, ça dégage. Niveau 10, Solberic. Attends, parce qu'il va falloir que je commence à réfléchir à ce que je fais en chapitre 2. Guet des rocs, don des flammes. Je pense que je vais aller là. Je vais aller à Noble Cour après en remontant. Du coup, ouais, il faudrait que je sois à peu près dans les niveaux 20 et quelques. Ok, je vais entraîner. Lui et Primrose aussi, je vais devoir entraîner. Ah, à dire, je vais devoir ranger Alphine pour le moment ailleurs. Bon, je vais faire le switch à la caverne, à l'auberge, pas à la caverne. Très utile hein, cet AOE. Un mort. Quand je stream jusqu'à 14h30, puis après je vais m'arrêter. Comme ça va faire une petite VOD d'1h30. Tranquille. L'XP grimpe gentiment, ça fait zizir. Peut-être je vais pas enlever de Therion de mon groupe parce que sans lui, je ne récupère pas la moitié des coffres que je croise. Sauf si je débloque la compétence coffre. Enfin, un voleur sur un personnage à un moment. Là, je pourrais commencer à switcher et du coup, pas besoin de toujours me trimballer avec les mêmes persos. Lance aussi, ça craint. Ok. Niveau 15. Tranquille. Il y a quoi à droite? Côte vers Digdin. Radremou, Havre d'Or. Ouais, donc c'est là, Radremou. Ok. Le littoral. Bonjour. Questionnement. Cet homme était il y a quelques années le criminel le plus craint de tout le continent, mais alors qu'il préparait un cambriolage à Radremou, s'est entiché de la ville et ses habitants au point de renoncer à son passé de monte en l'air. Bien que ce soit rangé, il conserve une profonde connaissance des locaux, les bons comme les mauvais. Oh.
Ancien voleur, du coup. Il a des trucs sur lui? Il a une dague. Nice. Et... Oh, dommage. On retente. Il faut. Voilà. Franchement, 5 5 tests avant de pouvoir. Foulard bestial, hein, mais je pense qu'il faut être assez high level pour pouvoir faire ça. Oh, et franchement, ils ont des objets sympas, hein. Très sympa les objets. Pom pom pom. Avec ça, j'ai quoi? Je perds un petit peu en défense, je gagne en élémentaire, je gagne beaucoup en esquive, mais je perds en vitesse. Je sais pas si... Merde, j'ai équipé carrément le mauvais truc là. Bon, je vais garder mon habit du vent pour le moment. Bon, elle est où l'auberge pour que je switch les gars là? L'officine. Ah, attends, il y a peut-être des trucs sympas là. La confusion et le poison. Faut que je vais en acheter. Que je me suis déjà fait avoir plein de fois à cause de trucs comme ça. C'est quoi ici? C'est une auberge. J'ai l'impression. Le tavernier, ouais. Modifier le groupe. Je vais prendre Primrose à la place de Alphine. On va devoir carry, hein, parce que là, 9 et 10, un peu bas les niveaux, mais. Écoute. Dague et filet, non. Tiens, peut-être, bah tiens, je vais mettre à elle les vêtements noirs. Bah voilà, c'est nickel. On peut pas le voler, c'est chiant. Bon, on va parler à la petite dame. Tressa. Combien toi récupérer coûte que coûte? Ah, mais. Ah, mais je suis bête. Je vais devoir faire une place pour elle. Cette jeune marchande se nomme Tressa. Elle est originaire d'une petite ville portuaire du littoral qu'elle n'a jamais quittée. Ici, à Radremou, elle négocie toutes sortes d'affaires et garnit les étagères. Elle fait son possible pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Et se tenant sur les quais, elle a fouillé 1000 fois. Elle regarde la mer qui s'étend à perte de vue et rêve du vaste monde. Mais un jour, une bande de pirates la détrousse, et sa fierté de marchande lui donne le courage de riposter. Elle décide alors de se rendre au repaire des pirates. Encore? Après des brigands, ça va être des pirates. Lui faudra l'aide d'audacieux alliés pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Évidemment. Évidemment. Alors, Tressa, je vire qui du coup? Virer Holberic, écoute. On va prendre Tressa. Là, on va vraiment devoir carry à deux. Mais bon, commencer l'histoire à son début. Tant qu'à faire, why not? Ce monde regorge de trésors, et je sais que celui que je cherche m'attend quelque part. Alors je mettrai le cap vers l'horizon et le vaste monde qui s'étend au-delà.
Ça, c'est donc les ambitions de Tressa. Très bien. Petite boutique, c'est parti. On va donc on travaille à la boutique familiale. C'est eux. Pas enfin, eux, Olneo et Marina, là. Les gens à qui j'ai voulu acheter des trucs. Enfin, plutôt, vider les poches. Je crois. Ouais, je crois. Souriant, poli, matinal. Ah bon? C'est ça qu'il faut être pour être marchand? Je savais pas. Moi, c'est ça. Sois prudente. Ça, c'est ça. C'est Olneo et Marina. Tu les aperçois, tâche de les éviter. C'est bien compris. Mais elle va se faire détrousser, du coup. Et vu que c'est la livraison de ses parents, elle va essayer de les récupérer de son côté. Mais c'est pas possible. À chaque fois que j'enlève ces putains de lunettes, le soleil revient. Parler au pêcheur, c'est quoi son action à elle? C'est peut-être genre négocier ou un truc comme ça. Monsieur le pêcheur. Le boissonnier. La marchande la plus bosseuse du coin. Mais attends, il fait grand soleil, il commence à travailler à quelle heure les pêcheurs dans cette ville? Non mais regardez les rayons du soleil là. Alors le soleil est quand même bien haut dans le ciel. On doit être. Si on suppose qu'on est le matin, on est quand même sur un bon 10 h du mat, quoi. Ils foutent quoi les pêcheurs? La négociante. Il y a plein d'animations différentes, c'est très stylé, mais... Au niveau du cycle jour-nuit, on est quand même pas encore là, quoi. Bouteille de vin. Magnifique.
Gros caractère, hein. Je dis rien, mais là je suis en train de d'apprécier l'histoire. Des pétoncles, et eh ben dis donc. J'ai perdu ma bouteille de vin. Bon, on va aller à l'ouest de la ville. Et évidemment, le capitaine avait pré-shot. Il le sent pas, le capitaine. Évidemment. Ah, donc il va nous vendre un peu de sa marchandise. Cool. On va tout acheter. Y a autre chose? Bah non, il y a tout là. Ah, on a d'autres, on n'avait pas vu. C'est quoi ça, herbe combattant l'insomnie? Elle pourrait être efficace contre un certain duo de pirates. Oh! Sympa! Ah, ça permet de dormir livré de nuit. Ok.
Ok, eh bien nous allons attaquer le repère des pirates la fois prochaine. Pour le moment, j'ai bien envie de sauvegarder. Où est-ce qu'on sauvegarde dans cette ville? Donde está la save? Elle est là. On va save et on va reprendre la prochaine fois. Hop. Merci d'avoir regardé cette VOD. N'hésitez pas à liker, à commenter. Bon, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour la suite du Let's Play. Et bonne journée à vous. Salut!